tenter de réaliser un combat qui est noble et qui est apprécié par tous les Burkinabés. Donc voilà pourquoi le Burkina doit se lancer et nous invitons tous les Burkinabés pour qu'ils puissent venir découvrir ce que nos parents et nos industries fabriquent comme merveille pour le développement de ce pays. Alors, on a dit, consommons ce que nous produisons. Alors, il n'y a pas de raison que ceux qui produisent aussi ne voient pas une consommation à côté. Donc, voilà pourquoi nous invitons tous les Burkinabés et à venir ce 23, à partir du 23, donc sur le site du FESPACO pour connaître ce que leurs frères Burkinabés sont capables de faire. Donc, il y aura cette année beaucoup d'activités. Alors, nous allons faire des formations, nous allons faire des panels de débat comme d'habitude. Et cette année, nous sommes en partenariat avec le FESPACO qui nous offre des plateaux de projection de cinéma et de cinéma toujours made in Burkina. Comme quoi, le consommant burkinabé ne se limite pas juste au textile, ne se limite pas juste à la gastronomie. Donc, ça va au-delà. Donc, ça va aussi dans le cinéma, ça va aussi dans la musique. Alors, c'est comme je le disais au début, et nous sommes dans une situation de sécurité assez précaire. Alors, pour cela, comme l'année passée, nous avons eu l'accompagnement de la police. Nous avons eu l'accompagnement des sapeurs-pompiers. Cette année encore, nous n'allons pas déroger à la règle. Ils vont venir, ils vont nous accompagner. Parce que sans sécurité, on ne peut pas tenir une telle foire. Parce que c'est une mobilisation assez grande de population. Il faut qu'il y ait la sécurité. Donc, soyez rassurés, la sécurité sera là à nos côtés.